Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Manger du gibier est bon pour la planète. Pourquoi manger de la viande de gibier? Cette question revient régulièrement et voici plusieurs points importants à propos de la viande de gibier sauvage. Semi des qualités nutritionnelles. Tout d'abord, il est important d'avoir en tête le fait que la viande de gibier a des atouts nutritionnels largement supérieurs à l'ensemble des viandes que vous pourrez trouver sur le marché. En effet, elle est très digeste et pauvre en matière grasse, elle est moins grasse qu'un simple yaourt nature. Très riche en minéraux, c'est une bonne source de phosphore, de fer et de potassium. Par exemple, elle contient plus de phosphore que le poisson et plus de fer que les épinards. Elle est également pauvre en sodium. Cela est principalement dû au fait que les animaux sauvages évoluent dans un environnement totalement naturel et se nourrissent donc quotidiennement de produits très sains et riches en vitamines et minéraux, champignons, vers de terre, noix, glands, herbes variées, baies. Cette alimentation est essentielle à cette qualité de viande et elle contribue grandement à ce goût naturel et caractériel que nous retrouvons lors des dégustations de produits venant d'y. Symbole de recyclage universel noir, une viande écologique. Il est également important de souligner l'aspect écologique de la consommation de viande de gibier. En effet, le gibier est une viande à impact zéro carbone. Les populations de gibier évoluant dans un environnement totalement naturel, elles ne produisent pas plus de carbone que leurs écosystèmes peuvent absorber. La viande de gibier est donc la meilleure alternative à une alimentation éco-responsable, saine et épicurienne. Serre la chasse, une pratique durable. Toujours sur le plan écologique, il est nécessaire de parler de chasse durable. Comme vous le savez sûrement, le gibier sauvage est issu de la pratique de la chasse. Il est important d'avoir en tête que la chasse pratiquée sur le territoire français, comme dans la majorité des autres pays, est une chasse durable, et donc très réglementée. Pratiquer la chasse durable, c'est le fait de prélever sur un territoire des animaux avec une vision à long terme sur la diversité biologique d'une espèce ou d'un environnement tout en apportant des bienfaits pour la société. En quelque sorte, la chasse durable permet de gérer, entretenir et maintenir en bonne santé des populations d'animaux sauvages tout en leur fournissant un milieu adapté à leurs conditions de vie. Cette pratique est donc nécessaire au maintien des équilibres des écosystèmes de nos forêts françaises. Tous les produits venant d'y sont exclusivement issus de chasse durable. Consommer de la viande de gibier sauvage, c'est donc manger une viande diététique et gustativement intéressante. De plus, elle a un impact carbone très faible et qui participe à une action écologique et durable pour les animaux sauvages. Quelques idées de recettes pour vous mettre l'eau à la bouche. Samoussa aux rillettes de sanglier. Empanadas à la bolognaise de cerf. Filet mignon de cerf au poivre. Rôti de cerf aux légumes. Civet de sanglier au vin noir. Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait
mon fusil dans les mains. Au fond de moi, je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs, un spécial été avec Arlène et Manu.